Salut à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la première vidéo informative du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs KINews. Une vidéo qui vous lance régulièrement et qui vous donne tout ban dernier news concernant le sport, la jeunesse et les loisirs qui le ministère peut proposer. Et pour sa première vidéo là, nous vous cause principalement sur la Team Mauritius qui est lancée par le ministère le 5 février dernier. Laisse-nous écouter ban explication du ministre Stéphane Toussaint. Team Mauritius, c'est une structure pour l'encadrement de nos athlètes élites. Et qui dit élite, dit bien sûr vise loin, vise ban médaille au niveau international, au niveau du monde, ban compétition olympique. Team Mauritius pour aussi et a la responsabilité de commencer à travailler sur le post-carrière de l'athlète. Parce que dans le passé, malheureusement, partiennant tout cela, et nous nous retrouvons ban grand athlète qui retrouve dans une situation difficile après. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est que qu'on a une team net de coach, d'officiers du ministère qui prennent la responsabilité de gérer une discipline. Alors, gérer les dossiers, les failles de la discipline, mais aussi d'aller sur le terrain, travailler avec fédération, travailler avec l'athlète, ban coach, et guetter à ce que l'athlète peut gagner tout ce qu'il est besoin pour qu'il est capable, performe et donne le meilleur de lui-même. Aussitôt lancé, aussitôt adopté. Donc, laisse-nous écouter la réaction de ban acteur sportif qui est présent lors de ce lancement. Il y a une bonne initiative, surtout pour les athlètes de haut niveau, l'élite surtout, parce que pour un tournoi, ils demandent un autre planning. Autre que le sport en général, c'est un planning vraiment très assidu et que je pense que Team Mauritius peut vraiment aider. Surtout avec l'aide des funding et d'une personne qui va être en charge des sportifs. Donc je pense que c'est vraiment une bonne initiative du lancement de la Team Mauritius pour l'élite de Maurice. Ce qui peut apporter nous, c'est qui l'encadrement des jeunes et l'entraînement, le suivi, l'amalgame sport et études, jusqu'à qu'ils arrivent au niveau professionnel. Et aussi au niveau professionnel et l'encadrement aussi de l'athlète et pour que l'athlète puisse nous ramener médailles au niveau international comme championnat du monde et olympique. Bien content surtout avec le Team Mauritius parce que pour nous c'est dans nos valeurs, dans nos projections dans 4 ans. Et là, le ministère vient avec ça, le Team Mauritius, c'est bien important pour nous. Et surtout au niveau paralympique, quand nous pouvons l'élite. Et comme je connais, Team Mauritius concernant l'élite. Après Team Mauritius et Active Mauritius qui est lancé en 2019 et qui guettait principalement le sport de masse, le ministère lance deux nouvelles autres entités très prochainement, à savoir Coaching Mauritius et Facility Mauritius. Donc nous avons quatre entités qui ont un seul but, propulser le sport mauricien vers de plus hauts sommets. À très bientôt pour ban d'autres news.